Les autres, je sais pas, mais moi, ça va. Et puis les autres, je sais pas, puis je m'en fous, hein. Chacun se démerde. En blague. Pas parce qu'un mec qui est rentré l'autre jour dans le magasin, il me dit, vous voulez pas m'aider à pousser ma bagnole, je suis en panne, mon gosse est malade, ma femme s'est barrée, j'ai pas payé mon loyer, il dit, hey. Je veux pas m'ennuyer avec la police, moi, hein. En blague. Et j'y demande pas de venir me tenir la caisse quand j'ai du monde à la charcuterie, non. Alors, ça a comme ça le rendre service. J'ai un copain l'autre jour, il y a un vélo qui était tombé, il a ramassé le vélo, il y a un mec qui est sorti, il a cru que c'était lui, il a fait tomber, il a cassé la gueule. Pas déconner, non? Ah non, moi ça va, pénard, hein. Pénard. Là, je jouais avec ma femme, on vient de s'acheter une Simca neuve. On a pris le break, à cause du commerce. On a mis un grillage au milieu, parce qu'on met le chien à l'arrière. Parce qu'on n'a pas d'enfant avec ma femme. Mais par contre, on aime beaucoup les bêtes. On s'est acheté un autre chien, Rex. Chien policier, très gentil, très affectueux, surtout avec Madeleine. Et puis dans le commerce, c'est utile, hein. Parce qu'on a toujours affaire un peu à n'importe qui, on sait pas si c'est les émigrés, tout ça. Alors lui, il a peur, hein. Attention. Et puis on fait des stages à la gendarmerie avec le chien. On fait des stages. En même temps, on apprend les langues. On apprend l'allemand pour le chien, puis l'arabe pour les mecs. C'est bien. Ah non, moi ça va, pénard. Non, moi, peinard, changez rien pour moi. Non, parce que j'entends toujours les gens, ils disent « Ouais, le français, c'est un gros con raciste. » Ceux qui disent ça, d'une part, c'est pas tous des Français. Et deuxièmement, aussi. Deuxièmement, je suis allé en vacances en Belgique et en Suisse, on n'est pas plus con que certains. C'est tout, je ne cite pas de nom. Non, moi je suis pas raciste, hein, parce qu'on dit toujours raciste, je suis pas raciste. Hein. Moi j'ai même des disques de Ciné Béchette, c'est pour vous dire. Mais n'empêche qu'il faut savoir que dans le monde, il y a 58 millions de Français, il y a presque 3 milliards d'étrangers. C'est bien pour nous emmerder, hein. Il y a qu'à aller voir aux Jeux Olympiques, hein. Ouais. Aux Jeux Olympiques, nous on y va pour jouer, ils viennent pour gagner. Puis ils gagnent. Regardez, on s'en dit, mais c'était nous, ils étaient plus balèzes. Eh ben, ils ont viré les haies, on a perdu. Salaud. Je m'énerve pas, Madeleine, j'explique aux gens. Ouais. Non, parce que, moi ça va, je dis ça va, je suis content, hein. Moi je suis content d'être français, hein. D'abord parce que je suis français, et puis parce que j'aime bien être content. Non, parce que les gens, ils rouspètent toujours. Ah, France, c'est la vie augmentée. Bon. Bon. Alors, un exemple. Bon. On a doublé le prix de l'essence. Est-ce qu'il y a deux fois moins de bagnoles qui roulent? Non. Voilà. Et qui c'est qui roule? Les pauvres. On les voit le dimanche avec ma femme, hein? Sur la route, on se demande où ils vont, tous ces pauvres. Hein? On les voit avec ma femme, parce que nous, on va chez sa mère. Les autres, je sais pas, mais moi, ça va. Et puis les autres, je sais pas, puis je m'en fous, hein. Chacun se démerde. En blague. Pas parce qu'un mec qui est rentré l'autre jour dans le magasin, il me dit, vous voulez pas m'aider à pousser ma bagnole, je suis en panne, mon gosse est malade, ma femme s'est barrée, j'ai pas payé mon loyer, il dit, hey. Je veux pas m'ennuyer avec la police, moi, hein. En blague. Et j'y demande pas de venir me tenir la caisse quand j'ai du monde à la charcuterie, non.